Salut à tous, nous voici de retour pour un nouvel épisode avec la France. C'est quoi ça? Ok. Alors, est-ce que déjà au niveau des troupes et des navires, on était au maximum? On était en train de faire des revendications du côté de l'Ottoman. On mettait à niveau. L'Ottoman, il est en guerre contre qui là? Transoxiane, ok, mais nous on va se préparer à l'assaut. Hein. De toute façon, fin de la guerre, fin de la trêve en 1637 août. Donc ça va être bientôt. On va donc se préparer à l'assaut. Ensuite, au niveau des séparatistes. Il y a les séparatistes napolitains qu'il va falloir surveiller et c'est essentiellement cela. Du coup, on va transférer 28 000 hommes là. L'Ottoman est en guerre, est allié au Tlemcen. On est allié avec eux, on est en paix jusqu'à quand avec eux? 1640. Ici, on continue de se mettre à jour. On va faire l'infanterie gustavienne. T'as pris le navire. Bon, là, on va dépasser un petit peu notre limite, histoire d'être bien. Et toi, tu vas repartir à l'assaut là-bas. On tente toujours de devenir pape. Ici, on va fabriquer une revendication sur Edirne. Ah, il faut améliorer les navires, 12 vaisseaux. Voilà. Ben on va pas y mettre de général. C'est qui celui-là? C'est. Comment il s'appelle? Nicolas-Henri de Vigny. Ici, on est bon. On va attendre patiemment d'attaquer. J'aimerais bien que mes alliés qui me rejoignent, ça serait quand même plutôt pas mal s'il pouvait y avoir au moins la République des Deux Nations. Militairement, l'Ottoman a 60 000 hommes de plus que moi. Les 60 000 hommes, ils sont là. Hein. Alors c'est sûr que si j'avais la Bohème, ça serait vraiment fantastique, mais bon là j'y crois pas trop. T'es au cogné, toi? Je te menace de guerre, tu me donnes des trucs, toujours pas. La Bohème. Nos relations se sont quand même un petit peu dégradées. Essentiellement parce qu'on n'a pas la même religion et qu'on est allié à la République des Nations. Je suis à combien? 6-6. Je pense qu'on va faire de Gênes notre vassal prochainement aussi. Améliorer la relation à fond d'ailleurs. Alors, mon ferrat. Bon, ben, si vous voulez. Allez, nos 90 000 hommes sont là. La trêve avec les Ottomans a expiré. On s'apprête donc à leur déclarer la guerre. Avec nos alliés, mais voilà, c'est génial. On va donc prendre Edirne.
Alors, nos navires vont tous rentrer au port. J'aimerais prendre peut-être l'icône, non, c'est pas nécessaire. Allez, on avance. Toi, tu vas aller directement là-bas. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. On est en guerre contre eux? Carrément. Eh bien, allons-y pour l'occupation de la capitale. Au niveau des technologies, on a largement de l'avance. On va donc équiper celui-là d'un général qui a 3 de charge, 3 de. De quoi? De siège. Donc face à nous, 200 000 fantassins, on en a autant qu'eux. 30 000 cavaliers, on en a 10 000 de plus, et on a autant de cavaliers. Donc c'est à peu près kiff-kiff, quoi. Séparatistes napolitains sont toujours à 16%. Allez, on va faire ça. Ah bah on a déjà pris tout ça. C'est assez rapide. Le siège de Constantinople, il est fait. On va d'ailleurs laisser quelqu'un sur Constantinople. René Descartes, le philosophe, mathématicien et scientifique français. Bah ça c'est plutôt cool. Le Tlemcen. On va essayer d'occuper exactement toutes les provinces de. Voilà, on va en profiter pour récupérer nos deux revendications ici. Perte du cas, on prend. On va améliorer aussi, je crois, nos navires ici. Ici. Voilà, alors on va parler simplement avec le Tlemcen. On va lui demander ça et ça. Oh, Bizerte, alors on lui demande juste Bizerte. Demander la paix. Et plein d'argent. Et tu seras plus allié au Maroc, à l'Ottoman. Comment ça? Ils sont pas d'accord avec ma proposition. On va la refaire. Hein. C'est quoi qui leur allait pas dans ma proposition? Voilà. Là, on est OK. Hop. Allez, on prend tout ce qu'on peut. J'aimerais prendre, si je peux, dans l'opération, ça. C'est un peu mon objectif. C'est vraiment pas inaccessible. Qu'il y a des choses à mettre à niveau. Là, 500, il me faut. C'est pas rien. On va faire ça en attendant. Est-ce qu'il accepte? Moins de 2.
Bon, bah là, on a fait le taf, hein, nous. Hop. Voilà, je vous rappelle que pour Mare Nostrum, il me faut notamment, on voit pas trop, mais vraiment toutes les côtes, hein. Toutes les côtes, j'en ai 46 sur 134. Du coup, je te demande la paix, tu ne la veux pas. T'as de l'argent en stock, 3600. C'est un petit peu beaucoup. On va donc continuer un petit peu. Un petit mariage royal. Du coup, on est à 6. On va attendre qu'il... Bataille de Bizerte. C'est qui m'a attaqué? Ah oui, mais j'étais en train de... Ok. C'est normal. Allez, donc on va prendre les territoires. Si je prends celui-là, tu me le donnes pas, ça sera pour une prochaine fois. On va récupérer un petit peu d'or au passage. Et voilà. Les Français des Balkans. Et on continue de faire ça. Voilà. Tranquille. On ramène. On se ramène à 2. Alors, on va mettre à niveau tous nos navires. Si on peut. Là, c'est bon. Et pour ça, il me faut 427. Bon, déjà en faire. Non, bon, on va attendre. Hein. Les séparatistes napolitains, ils ont toujours 20%. Hein. Du coup, j'ai franchement envie d'attaquer l'anglais. Mais vraiment envie d'attaquer l'anglais. Gêne, c'est pas possible. Combien je gagne? 8 par tour. Dans les trucs, je suis au niveau des militaires. Et j'aurais fait 2 de Schneim, il me restera une doctrine comme ça. Sienne, combien il faut si j'exige l'annexion? 6. Pas pour ce que ça me rapporte. On va confirmer. On va attendre. On va plutôt faire. J'ai que 55. Tout améliorer les relations avec toutes nos dépendances. Hein. J'ai franchement envie de m'attaquer à l'anglais là très prochainement. Ils ont comme allié que des petits. Donc très, très honnêtement, ça devrait le faire. Faire 3 navires de plus. Attends, je fais quoi là? Nos dépendances. On va faire un maximum nos dépendances là parce qu'elles ont un petit peu de...
Oh, il n'y a que les hospitaliers, quoi. Bon, on n'arrêtera pas en si bon chemin. Hein. On va constituer un réseau d'espionnage à nouveau avec l'Empire ottoman. Voilà, l'Empire ottoman, il a quand même pris 14 de dev, 14, 14. On lui a pris 44 de dev. Du coup, voilà. On met à jour nos navires. Les séparatistes napolitains, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Des fanatiques réformés à Sienne. On va aller s'en occuper. Celui-là, c'est parti. Voilà. Allez, on rebascule ici. On peut faire 1000 hommes de plus. Et on va continuer d'améliorer nos unités. Ah. On va faire ça, tant pis. 24-6. Tac. Trêve avec le Jerry. Pour l'instant, je peux rien faire. Nous, on va essayer de revendiquer Londres. Ils ont 61 000 hommes. Combien ça peut en accueillir ici? 63 000 hommes. L'Ulster, disons. C'est ma marche. Bon, ma marche à 13 000 hommes, c'est pas non plus foufou. Le Maroc commence à me courir sur le système. On va pouvoir faire 3 000 hommes de plus. Pour l'instant, on a toujours 30 navires comme ça, donc c'est bien. Prochain objectif de la guerre contre l'Ottoman, continuer de leur prendre l'intérieur des terres. Il faudra que je regarde exactement ce que j'ai besoin pour l'Empire romain, puisque de toute façon il me faut l'Empire romain pour... Voilà, j'ai pas trop le choix. Et que ça, l'Empire romain... Je l'ai pas du tout celui-là. Il va sans doute apparaître plus tard. Allez, on accélère. On convertit. Prochain, ça va être puissance des missionnaires contre les hérétiques. Bon là j'espère que je vais y arriver. Oh, c'est bon. Tranquille.
Voilà, a priori, j'ai plus de séparatistes à cet endroit-là. On va pouvoir faire ça. On va en profiter pour revendiquer Londres. Parce que je crois qu'il me le faut hein, pour la suite des événements. Là, on revendique Constantinople. C'est sûr. C'est quand même une province qui a quand même un bon petit 50 de dev. Je sais même pas si moi l'Île-de-France en a pas moins. Si. Donc voilà. Allez, on s'arrête là pour cet épisode. Merci à tous de me suivre. On va continuer de prendre les côtes. J'espère bien. Une fois que j'aurai fait, il y a quand même tout ça. Cette partie, elle est assez longue à prendre. Il va falloir qu'aussi je m'intéresse à pour prendre éventuellement Venise. Allez, je vous dis à plus tard. Salut!